capture la personnalité changeante, c'est la de la couleur, la snowstorm, mother f***. The screen went black. Bonjour et bienvenue dans la bonne critique des films pommes. Aujourd'hui, nous allons regarder de près les 400 coups de François Truffaut, un drame classique de 1959. Allons au fond de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les 400 coups est le premier long métrage de Truffaut. C'est un film très personnel pour lui. C'est déroulant à Paris, le film décrit la réalité de la pauvreté dans les années 50. Vais-je vraiment parler en français tout ce temps? Oui. Une adolescent jeune à cœur de Paris en France semble toujours trouver son chemin dans les années à l'école. Vivant dans la pauvreté, ses parents Julien et Gilbert Daniel se battent constamment entre les quatre petits murs de la maison. Le film fait allusion à des familles prises de différentes classes sociales. Il y a un bref aperçu d'une famille riche, mais cela montre le côté négatif de la vie de la haute société. Avec la famille pauvre, les personnages s'efforcent d'obtenir ce qu'ils peuvent mériter, ces choses semblant hors des portées. La mère Guibert représente ce qui ne va pas avec le parent des mariages ratés. J'ai l'impression que Truffaut a voulu mettre l'accent sur cette nouvelle dynamique familiale dans les années 50 avec des familles populaires. Il a capturé la personnalité changeante de la colère à la nostalgie. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que Truffaut a montré un autre problème majeur. Garder la secrète. Ceci pour couvrir tout malheur qui réside dans les personnes. J'ai l'impression qu'Antoine tire sur le cœur du public parce qu'il est incompris alors que le public la comprend complètement. Sa vie malheureuse avec ses parents noyés dans la pauvreté résonnait avec les spectateurs qui ont peut-être eu les mêmes problèmes. Dans l'ensemble, ce film est un voyage étonnant à travers ce qu'était la France dans les années 50 avec des familles riches et ouvrières et montrant qu'il n'y a parfois aucune différence entre les deux. Merci d'avoir écouté les bonnes critiques des films POM. Passez une bonne journée. Et cut. That's it. That's a wrap. I'm done.